Avoir une bonne vision est très important pour la scolarité de votre enfant et sa vie sociale en général. Voilà quelques conseils ou quelques éléments que devraient prendre les parents en considération concernant le dépistage des troubles visuels chez leur enfant. Il est supposé qu'un dépistage ophtalmo, à la recherche d'une amblyopie, voilà, c'est intermédical, doit être fait avant l'âge de 3 ans pour éviter justement que ce ne soit irréversible. Pour les enfants qui ne l'ont pas fait, il faudrait que ce dépistage soit fait avant la rentrée scolaire. Et voilà les éléments qui devraient, on va dire, alerter les parents à aller consulter chez l'ophtalmo bien avant le dépistage systématique à la rentrée scolaire. D'abord, premièrement, c'est un enfant qui ne suit pas du regard, un enfant qui a un regard fixe, un enfant qui ne réagit pas, qui ne ferme pas, qui ne cligne pas ses yeux à la lumière, un enfant qui a une pupille qui bouge, ça s'appelle en terme médical un nystagmus, un enfant qui louche, ou pour le terme médical qui est un strabisme, un enfant qui a des difficultés à reconnaître des couleurs ou des objets, un enfant qui se colle à la télé ou qui se colle à la tablette ou qui se colle à un livre de coloriage, et bien avant, un enfant qui a des antécédents familiaux de myopie sévère, un enfant qui a eu une grossesse ou plutôt un accouchement difficile ou un prématuré, tous ces signes ou tous ces enfants doivent bénéficier d'une visite chez l'ophtalmopédiatrique systématique.